Comment ça s'est passé? Tu l'as fait? Elle t'a vraiment haï. Je sais. Pour le moment. Elle me remerciera certainement plus tard. Chérie, je pense qu'il est temps qu'on parte à l'hôpital. Nous devons aller voir un médecin. Je ne comprends pas comment des simples maux de tête n'arrivent pas à s'arrêter. Ce n'est plus amusant, chérie, s'il te plaît. Chérie, c'est juste un maux de tête. C'est ce que tu continues de dire pendant tous ces jours et rien ne change. S'il te plaît, allons à l'hôpital. Ça ira. Ça va aller. Ça va aller. Grande sœur, tu dis toujours que ça va aller. Ça va aller. En plus, Charles a raison. Malgré les médicaments que tu as pris, mais ça ne change rien. Certainement, l'hôpital, ça peut bien évoluer. Miso. Voilà. Elle a recommencé. Chérie, attends-moi. Cette fois-ci, on doit aller à l'hôpital. J'arrive, ok? Miso, ça va aller. Miso, je ne supporte pas te voir dans cet état, grande sœur. C'est quoi, non? Je n'aime pas ça. Miso, oncle Charles, s'il te plaît, dépêche-toi. Et donc, elle est juste morte comme ça. Hey! C'est très grave, ça. Hey! Je ne peux vraiment pas croire qu'elle soit morte juste comme ça. Jusque-là, je n'arrive pas à y croire. Juste comme ça. Eh, oh, Thibaut, Ojo, qu'est-ce qui s'est passé, moi? Où est maman? Où est mes soma? Thibaut, où est maman? Maman, où es-tu? Maman, dis-moi quelque chose. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon Dieu. Oh non! Des meurtriers! Vous êtes une bande de meurtriers! Écoutez, expliquez-moi ce qui s'est passé à ma soeur maintenant même. Je veux pas de problème. Vous devez commencer à me le dire maintenant. Attendez d'abord. Où est cet idiot? Il doit me dire ce qui est arrivé à ma soeur. S'il te plaît, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. Sois calme. Hein? Calme-toi. Nous comprenons parfaitement ta peine et nous comprenons également ce que la famille traverse actuellement. Exactement. Mais ne t'attends pas à ce que nous accusions notre propre beau-fils de meurtrier. Ce n'est pas juste. C'est ça, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas juste. T'ai-je bien entendu? Oui. Ce n'est pas juste? Et peux-tu différencier le mal et ce qui n'est pas juste? Pouvez-vous me dire? Savez-vous que ce qu'il a fait à cette famille? Savez-vous ce que cette famille va devenir à partir d'aujourd'hui? Et tu me dis que ce n'est pas du tout juste. Oncle, s'il te plaît, je t'en prie, ne me cherche pas. Ne m'énerve pas, cher oncle. Charles doit venir ici nous dire ce qui était arrivé à ma sœur. À Pointrée, s'il te plaît. Grande sœur, peux-tu te calmer, s'il te plaît? Écoute, hein, et toi, ne me demande pas de me calmer. S'il te plaît, ma fille, ne me dis pas ça. Notre sœur est morte avec un bébé dans son ventre et tu me demandes de me calmer? Ne sais-tu pas ce qu'Adam a fait pour nous? Oncle, s'il vous plaît, demandez-lui de venir ici maintenant. Je ne veux pas m'énerver, oh. Je ne veux pas m'énerver, s'il vous plaît. Quand toi et moi savons bien que Charles ne lui a rien fait. Charles est innocent, tu le sais très bien. De quoi parles-tu? Tu ne connais pas les hommes. Cet homme doit être un occultiste et elle a sacrifié notre sœur dans ses fétiches. Et tu me racontes de bêtises, tu n'as même pas honte? Oncle, je me répète encore, je ne veux pas de troubles, oh. Vous devez appeler Charles et qu'il vienne ici. Elle doit m'expliquer ce qui est arrivé à ma soeur, s'il vous plaît. Waneka, s'il te plaît. Nous l'avons déjà invité et il est en route pour lui. Hey. Je sais que parfois les choses insensées peuvent avoir un sens. Beaucoup de choses peuvent arriver dans ce monde. Peut-être qu'il y a un sens parce qu'on la trouve comme une enfant qui se lamente pour avoir perdu sa soeur. Mais ce qu'elle dit peut être vrai. Merci. Hein?
S'il te plaît, calme-toi. Hein? Écoute, ma fille, ne te dérange pas. D'ici là, Charles sera là. Hein, okay? On l'a déjà invité, il sera là. Bientôt, là, Charles sera là. Il va nous expliquer. Il y a certaines choses pour lesquelles il faut juste garder silence. Que Charles vienne d'abord. Puis nous lui laissons parler. Et on sera nous ne devons pas l'accuser. Et donc, juste calme-toi. Non. Okay? C'est bon, mes anciens. Je le ferai tous. Ijoma mérite plus que ça. Je prendrai soin de tout. Ah, merci. Merci, mon fils. Je sais comment est-ce que c'est dur pour toi. Mais calme-toi seulement. Oui, en tout cas, calme-toi. Ce sont des choses qui arrivent. Et pour vous, mes anciens, vous savez qu'on ne peut pas questionner les dieux. Voilà. Où est cette chose? Où est-elle? Où est cet idiot? S'il te plaît, arrête! Arrête, grande sœur! On lui a même donné une chaise pour s'asseoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu exactement ici? Tu dois commencer à expliquer ce qui était arrivé exactement à ma sœur. Je veux savoir ce qui était arrivé à ma sœur. Du calme. Waneka, calme-toi. Nous en avons assez de cette bêtise. As-tu une preuve contre Charles? Tu accuses quelqu'un sans preuve. Arrête cette bêtise. C'est pour ça que vous êtes contente de vous asseoir ici avec lui? Écoute, laisse-moi te dire ceci. Tu ferais mieux de m'expliquer ce qui était arrivé à ma sœur. Commence à me le dire avant que le dieu ne puisse te tuer maintenant. Vas-y, fais-le. Peux-tu arrêter ceci? Arrête ça! Combien de fois on t'a interdit d'arrêter toutes ces accusations? Bien sûr qu'on a perdu notre sœur, mais lui aussi, il a perdu sa femme et son enfant. As-tu pensé à ce qu'il ressent aussi comme douleur? Arrête ça, s'il te plaît. Écoute, Charles, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Cette fille... Vous racontez tous des bêtises. Assez. Et ose encore venir ici prochainement. Y a quoi? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mon ami, excuse-la. S'il te plaît, mon père. Parle-lui. Parle-lui, nous en avons assez. Ah, bonté divine. Ah. Ok, En fait, j'aime la maison. J'ai apprécié. Oui, je sais. Et ça a l'air d'une très bonne maison. Je peux voir ça. Et je sais également qu'elle a été construite avec de matériel de qualité. Ok. Je crois que l'architecte a fait du très bon boulot. Oui, oui, il a fait. Il a fait. Il a vraiment Mais, fait. Mais je viens d'y réfléchir. Ne penses-tu pas que tu dois prendre cet argent? C'est tellement énorme, hein? Jeune femme, écoute, il n'y a aucune maison dans cette ville de cette qualité pour fixer un prix aussi bas que ça. Je crois que 80 millions de naira suffira, j'espère que ça va. Ah, je comprends, tu es un homme d'affaires avec un langage d'affaires. Bon, c'est bon, je vais t'ajouter l'argent. D'accord? Ok. Bon, ce que tu dois faire, c'est que tu dois m'envoyer ton numéro de compte. Comme ça, je vais transférer l'argent directement sur ton compte. Je dois te féliciter, ma chère. Sérieux, ce n'est pas du tout facile de trouver une maison dans cette ville. Franchement. Merci énormément. Laisse-moi te faire visiter. Allons-y. D'accord. Bon, j'ai en tout cas aimé les lieux. Hein. Ah oui, c'est toujours bien soigné en tout cas. Regarde un peu, tu as aimé, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Neki. Ah, Ozzy. Comment tu trouves? C'est une très belle maison. Oh, ma chérie, tu as fait du bon choix. Merci beaucoup. Ah, j'aime ça. Merci. C'est merveilleux. Merci, mon ami. Quand j'avais vu cette maison, je m'étais dit moi-même, tout ça, c'est à moi. Je vous dis, franchement. C'est beau. Merci. Ah, Neki, oh mon Dieu, ta maison est très belle. Merci. C'est juste comme ma maison de rêve. C'est vrai. Comment ça, je n'avais pas vu cette maison? Peut-être que cette maison a été faite pour moi et non pour toi. Oh, dégage. Oh, Neki, tu t'es vraiment très bien débrouillée. Merci énormément. Merci, merci, ça me va droit au cœur. Ok. Oui, ok.
nous devons faire un truc, ok? Mm, ok. Et si alors je t'oublie la sorte okay, que... Ok, arrête ça, s'il te plaît, je t'en prie. N'ose même pas. C'est pas possible. D'accord. Nehi, 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 ça sera pas possible. Wow. Mon ami parle indien. Alors, Nega, dis-moi. Quand est-ce qu'on va fêter, dis-moi? Oui, s'il te plaît, la fête. S'il te plaît, dis-moi qui en aura. Au moins, fais-le pour l'amour de notre fraternité. Parce que j'ai vraiment besoin de danser. Oh, doucement. Tu parles beaucoup de temps en temps. Quand vas-tu arrêter? Je sais. D'accord, les filles, calmez-vous. Je planifie quelque chose. C'est ça. Je suis en train de planifier une grande fête des maisons. Ça sera très chaud. Ça sera donc terrible. Je suis la fille des Lumières. Qu'est-ce que vous pensez donc? Là, tu parles, alors, ma chérie. Filles, j'espère que nous devons faire quelque chose. Je peux appeler. Jean-André. Oui. On va célébrer. Ouais. Non, attendez. Je crois que nous avons besoin de la musique. Oui, la musique. La musique. Ah oui. Hey! Attends. Ah oui! Nous sommes là! Oui! Ah oui! Hey! Ça va chauffer! C'est nous! C'est nous! Attends, je veux dire quelque chose! Maman! Qui c'est? Maman, oh! Maman? Oui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Waneka! Oui, maman. Waneka! Maman? Ah ah! Guine! Ah, ah. Qui t'a emprunté ces habits? Où est-ce que tu les as piqués? Maman, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Qu'est-ce que tu veux donc me dire par là? C'est mon vêtement, maman. Hey! Oh. Comme si je savais que tu allais venir avec quelqu'un. J'ai préparé le poulet. Fais-le entrer, ma fille, le temps que j'apprête la table. Maman, dis-moi, ça veut dire quoi ça? Tu es venue avec un homme, alors fais-le entrer à la maison le temps que je dresse la maman, table. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas de bonne humeur ce matin. Je ne suis pas venue avec quelqu'un ici. Cette voiture m'appartient. Allez, dégage. Tu t'es fou de ma gueule ou quoi? Maman, je ne blague pas. Je suis sérieuse. Cette voiture m'appartient. Ok, comment est-ce que je marche alors avec mon contact en main? C'est ça ma voiture, maman. C'est à moi. Es-tu sérieuse? Maman, je suis sérieuse. Écoute. Et où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter je ça? Je travaille durement là-bas en ville. C'est les choses que je t'avais dit avant d'aller à la cité. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Tu sais quoi? Allons à l'intérieur. J'ai une surprise pour toi, maman. J'espère que tu n'as pas emprunté toutes ces histoires pour m'impressionner. Maman, je n'ai rien emprunté. T'inquiète. Allons d'abord. Yeah. Mon Dieu, veux-tu entrer dans la voiture alors? Entrons d'abord, cette maman. Cette voiture est à toi. Je ne te crois pas du tout. Je ne te maman, crois pas, t'inquiète, Nika. Allons d'abord. Allons-y, entrons. Tu vas casser ta tête pour rien. Entrons d'abord. Maman, entrons. Hey. Oh mon Dieu. Oh Dieu, la mort. Hey, maman. Maman, ça suffit, s'il te plaît. Je t'ai déjà interdit à propos. Hein? Tu ne peux pas continuer ainsi. Maman, hey. Dieu connaît le meilleur. Arrête de t'inquiéter, s'il te plaît. Hein? Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai ma maison là-bas en ville. Je veux que tu sois avec moi. Ta maison? Oui. Tu as une maison? Bien sûr, maman. Ah.
tu as une maison? Bien sûr, maman. Ah. Maman, je sais que c'est étrange pour toi, mais c'est une très bonne nouvelle. J'ai ma maison là-bas en ville, j'y veux que toi, ou du moins, et Mesoma viennent habiter avec moi. Mais pour aujourd'hui, tu dois entrer, emballer tes affaires et partir avec moi en ville. C'est entendu, s'il te plaît. Ne me donne pas des excuses que tu ne peux pas quitter ce village. Tu dois partir avec moi. Hmm? Parlons de tes sœurs. À quand remonte la dernière fois que tu avais reçu leurs nouvelles? Bien, moi et Oujou en parlant de fois au téléphone. Je sais que deux fois c'est difficile par rapport aux occupations de chacune. Mais pour Mesoma, tu la connais. Elle restera toujours Mesoma. Mais nous parlons de fois. Quelquefois. Ce n'est pas un problème, maman. Je prie pour qu'un jour, toutes les deux, vous puissiez vous comporter comme deux sœurs. C'est ça ma prière. Amen. Hey! Entre, maman. Hein? C'est pas vrai. Oh! Donc tu ne plaisantais pas. C'est vraiment ta maison. Jésus! Hein? Maman, né. As-tu aimé? Waouh! Hein? Né. Maman, est-ce vraiment ta maison? Bien, ça c'est mon édifice. Quoi? Mon édifice, genre ma petite maison, tu vois. Voyez-moi cet enfant. Hein? Donc, cela veut dire que tu as assez d'argent pour construire ce genre d'édifice. Bien, j'ai travaillé durement, maman. Je travaillais jour et nuit pour avoir cet argent. Eh oh. Bon, c'est bon, j'emmène ces valises dans la chambre. Comme ça, tu vas te barbouiller et bien te sentir. Alors, rejoins-moi, allons-y. Je te montre ta chambre. Viens, maman. Après moi. Viens, maman. Après toi, ma fille. D'accord, après moi. Tu es venue en ville. Maman, c'est comme ça. Suis-moi. Viens. Maman, viens. Oh. Suis-moi. Maman, viens à l'intérieur. Oh. Oya, entre. Ramasse ton sac. Oh. Suis-moi. Viens, non? Dépêche-toi. Oh. Mais ça. Fais vite. Madame, la voilà. Peux-tu arrêter ces bêtises? Mais souviens, viens ma chérie. Viens ici ma chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est du réel ça. Madame, je vais dans mon bureau. Dégage de ma vue. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais Soumé, qu'est-ce qui peut se passer ici? J'espère que tu n'as pas souffert pour retrouver cet endroit. Ça, c'est ta maison. Mais Soumé, ça, c'est ma maison. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ces genres de maisons sont coûteuses. Parce que c'est ainsi. Écoute-moi, s'il te plaît. Entrons d'abord, tu vas te reposer. On va parler après, ma chérie. Viens avec moi. Suis-moi. Mais ça bouge. Oh. Bienvenue à toi. Meso, tu n'as pas touché à ta boisson. C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi. Pourquoi poses-tu cette question? Je suis ta sœur. Tu ne peux pas me mentir. Je suis ta petite sœur. Dis-moi vrai, qu'est-ce que tu fais? Toi et moi savons bien que je suis une coiffeuse. Je le sais bien. Tu n'as fait qu'une année depuis que tu as fini ton apprentissage. Donc, tu veux me faire croire que tu as acheté cette grande maison dans un quartier résidentiel réservé à ceux qui sont au gouvernement? Non, Ali.
Dis-moi exactement ce que tu fais. Je t'ai déjà dit ce que je fais. Que veux-tu que je te dise encore de plus? Grande sœur, c'est très suspect. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu peux tromper maman. Mais tu ne sauras me tromper. Je ne suis pas stupide. Écoute, ce n'est pas facile de faire de l'argent. Faire une telle fortune dans peu de temps, c'est très suspect. Qu'est-ce que tu fais? Bon, comme tu veux savoir, j'ai aussi d'autres business privés. Laisse-moi aller me reposer, on parlera après. Je dois me reposer, j'ai passé une journée très très chargée. Si tu ne veux rien boire, appelle la servante, elle va tout débarrasser.
Idioma Chuku. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu regardes comme ça? Maman. Hein? Tout ceci ne paraît pas étrange pour toi? Prends le temps de réfléchir sur tout ça. Je ne comprends pas ce que tu dis. Maman, il se peut que tu sois aveuglée, mais... c'est très suspect. Es-tu devenue policière? Maman, je peux réfléchir. Il y a une année, Keneka a commencé avec son apprentissage pour devenir esthéticienne. Subitement, elle devient... Elle est riche, c'est ça! Dis-le tout haut! C'est comme ça que les belles choses vont arriver dans ta vie. Maman... Papa? Hein? Donc... C'est quoi ton problème avec Waneka? Hein? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec toi? Tout ce que Waneka fait dans la vie, ou ce qu'elle dit, est toujours mauvais, c'est toujours négatif pour toi. Donc tout est normal, hein? Arrête-moi ça, s'il te plaît. C'est quand je serai la source de ses revenus que tout sera clair. Comme une policière, n'est-ce pas? Ok. Tout ceci, c'est de ma faute. Il n'y a pas de problème. Dès demain matin, je partirai de votre maison. Tu peux profiter de la richesse de ta fille. N'importe quoi. Mais c'est quoi son problème? Hein? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Bon, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Prends à boire, maman. Oh, c'est ça. Tu as raison, ma fille. Ta petite soeur est vraiment compliquée. Moi, je me régale. On tient le verre avec une seule main. Ah. Mmh. Mmh. Tu as aimé? C'est très bien. Eh, hey, doucement, doucement. C'est ce que je fais. Je préfère comme ça. Maman, après tout ça, hein? Je ne suis pas habituée à ça. Toutefois, où est Meso? Ne va-t-elle pas venir manger? Je ne sais pas si elle a faim. Mais quand elle aura faim, elle va descendre. Y a-t-il quelque chose que vous ne voulez pas me dire? Il n'y a rien de grave, ne te dérange pas. Oh. Mais Soma. Maman. Viens manger. Je m'en vais. Je veux partir. Mm-hmm. Je croyais que tu avais dit que tu serais ici le week-end. Mais si on a tant de choses à discuter, alors nous devons vite le faire. Oui, j'ai un programme de cours que je dois suivre, donc désolée. D'ailleurs, à propos, ne penses-tu pas qu'il est temps de laisser ses études? Ça fait 6 mois que tu as commencé, mais rien ne change. Alors pour moi, je saurais bien que tu viennes habiter ici avec moi. Je veux t'inscrire à l'université et tu peux aussi ouvrir ta propre... C'est vrai, ça? Waouh, très intéressant. Je suis tentée de dire oui, mais je dirais non. Ça, ce n'est pas un rêve pour moi, c'est plutôt un challenge. Donc, ça ira, t'inquiète, merci. Mais Soma. Maman. Ta grande sœur a raison. Hein? Tu n'as pas d'enfant. Et ta sœur vit dans la même ville que toi. Pourquoi tu te sens obligée d'aller vivre là-bas? Maman, c'est ma vie. Laissez-moi le temps de tracer mon chemin, s'il vous plaît. C'est bon. Laisse-moi te prendre le transport. Non, t'inquiète.
Au besoin, je demanderai. Merci. Ça va. Je peux alors te déposer. Non, continue de prendre ton petit déjeuner. Ça risque de devenir froid. Maman, bonne journée. Je dois me dépêcher pour mes cours. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bon, continue alors à manger. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Ah, maman, tu as déjà tout emballé? Tes sacs sont prêts. Oh, mais... je t'attendais. Maman, je t'avais dit que j'ai besoin que tu restes encore un peu. Même pour quelques jours ou même une semaine. Comme ça, je vais bien prendre soin de toi. Mais tu l'as déjà fait. Regarde comment j'ai pris du poids. Comme si je venais de passer plusieurs jours à dormir. Tu as essayé. J'aurais voulu rester encore un peu plus ici, mais... Ma parcelle, je ne veux pas que de l'herbe puisse pousser partout. Écoutez-moi ça. Maman, tu as toujours des excuses, toi. T'inquiète, tu sais quoi, quand tu viendras ici, tu seras fermé chaque jour dans ta chambre pour que je prenne très bien soin de toi, tous les jours, maman. Je te dis la vérité. Bam, 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 né, tu n'as pas besoin de faire ça. Si seulement tu te maries et que tu commences à avoir des enfants, je prendrai tous mes affaires. D'accord, je viendrai m'installer ici. Quand ce temps viendra, tu le feras. D'accord, je pars alors t'accompagner. Maman, qu'est-ce qui pèse ici? As-tu emmené toute la cuisine? Non, c'est... le bal que tu as acheté pour moi, qui sont dedans et rien d'autre. Maman, es-tu sûre? Maman, allons-y vite. Hey, Jésus. Tout ça va me manquer. Cette maison. Maman, dépêche-toi, ça pèse. Je reviendrai. Je suis là, mais voici ma fille. Mensonge. Chadi, j'ai dit mensonge. Mon bébé à moi ne peut me faire une telle chose. Peut-être ce n'est pas de mon bébé que tu parles. Bah, non, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi tu penses que je plaisante. Laisse-moi te dire une chose. Sa mère était venue nous rendre visite quand elle était venue. Et je me rappelle qu'elle était venue avec une voiture pour la prendre. Tu te rappelles? Ça, je sais où. J'ai entendu parler de ça. C'est ça! Et donc, si elle peut acheter une telle voiture, comment alors pourrais-tu penser que je te mens? Comment? Pense-y. Mais Neka n'a pas ce genre d'habitude. Elle là. Est vraiment friquée. Cette femme a de pognon. J'ai même appris que des prétendants viennent demander sa mère. Peut-être que elle est déjà mariée. Oh, allez, dégage! Si ce n'est que pour ça, personne ne va l'épouser. Écoute, Neka, elle est à moi. Elle m'appartient, gars. Si ce n'est que pour ça, oublie, oublie, mon cher. Personne ne viendra, personne ne viendra. Dieu aide ce garçon. Écoute-moi, garçon. Tu n'as qu'à oublier l'amour du village. Toi, amour. Quelqu'un qui vient prendre sa mère au village en oubliant que des personnes comme toi existent dans ce village. Wane oublie, cette fille est déjà partie. Tu es là. Ok, tu penses qu'elle se souvient encore qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Ouzo dans ce village? Avec ton visage de merde. Oublie ça, mec. Arrête de rêver. Réveille-toi. Réveille-toi. Écoute, mon gars, ce dont tu parles, en tout cas, je n'en sais rien. Laisse-moi tranquille. Aussi longtemps que je suis vivant, Neka possède mon cœur. Tu comprends ça? Et je possède également le sien, gars. Je vais mourir. Tu dis n'importe quoi. En tout cas, je comprends que l'amour... est vraiment aveugle. Mon frère, désolé. Que vas-tu faire maintenant? Laisse-moi t'aider à faire revenir ton cerveau ici. Laisse-moi l'acheter pour toi, je t'en prie. Parce que c'est comme si ça ne va pas là. C'est supposé être une insulte, c'est ça? Non! C'est toi-même qui te traites d'idiot. Si tu penses que tel que tu es là, elle se souvient de toi. Laisse-moi te poser une question. Faisons comme si Neka était ta sœur. Et qu'elle a le niveau qu'elle a maintenant.
vas-tu permettre à n'importe quelle poule mouillée de l'approcher ou d'être à côté d'elle? mec, je te comprends. Oui, vas-y. C'est qui la poule mouillée? C'est moi que tu traites de poule mouillée. Voilà la poule mouillée, elle est là. Elle est là, regarde. Où ça? Idiot. Oui, d'accord, je comprends. Oh, je n'en sais rien pour le moment, mais nous allons voir. Hein. Ok, nous allons y on penser, se voit demain. Je vais te rappeler, s'il te plaît. C'est quoi cette bêtise? Es-tu stupide ou quoi? Pourquoi cet incident? Es-tu aveugle? Madame, je suis vraiment désolé. Je ne vous ai pas vu venir. Tu ne m'avais pas dit parce que tu étais concentré au téléphone. Monsieur, c'est un lieu public, tu dois apprendre des bonnes manières. Je viens de dire que je suis désolé. Vous auriez dû me laisser passer d'abord, non? C'est quelle bêtise! J'aurais dû te laisser d'abord passer, tu n'as même pas honte? Qui es-tu, monsieur? Je te demande. Pourquoi étais-tu concentré au téléphone au lieu de faire ce qui était bon? Qu'est-ce qui est arrivé à ta langue? L'as-tu perdue? Vous savez, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que vous et aussi fascinée. La ferme et je n'ai même plus besoin de toi. Désolé, écoutez, si ça ne vous dérange pas, puis-je avoir vos contacts pour que je vous appelle un de ces quatre? Change tes chaussures. Brosse tes dents et tu pourras me parler prochainement. Eh, ma chérie. Hey. Comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Comment ça se passe? Nulle part. Comment ça a été chez toi? Tu le sais déjà, mais je vais bien. Tu es toujours plongée là-dedans? Oui, ma chérie. Je suis en train de faire mon budget. Je dois mettre en place une activité. Je ne sais quoi faire, Ada. Ok. Je sais que je t'avais promis de ne jamais jouer au rabat-joie. Mais dans ce genre de circonstances, je crois que tu dois l'appeler. Appeler qui? Qui d'autre? Ta sœur, bien sûr. Écoute, appelle ta sœur et demande-lui de l'aide. Parce que peut-être que tu ne le sais pas. Je suis la seule qui peut te dire la vérité. Mais ceci commence à prendre une autre ampleur. Tu es en train de te perdre. S'il te plaît, appelle-la. Ada? Ada? Nous sommes des amis, n'est-ce pas? Mm-hmm. S'il te plaît, n'ose plus jamais me suggérer une telle chose. En aucun jamais. Regarde bien ma bouche. En aucun jamais, j'appellerai Neka. Je vais les gérer seule. Et si je ne suis pas en mesure de le faire, cet homme qui est là en haut, c'est Dieu. Il va m'aider à le faire. Peut-être que tu as raison. Mais combien de temps crois-tu que ça va te prendre? Pour résoudre ce problème. Ma chérie, tu dois passer l'appel. Hein? Ada, s'il te plaît. Tu viens à peine de rentrer, hein? Pardon. Ah ah! Oh, pas de problème. C'est ce qui a toujours été dit. Celui qui a de pieds n'a pas de chaussures. Et celui qui a de chaussures n'a pas de pieds, c'est normal. Ah. Attends, as-tu cuisiné? Non. Ah ah! Viens entrer dans mon estomac. Ma chérie, je ne vais pas te suivre, je m'en vais. Je m'en vais. Que j'appelle Neka. À moins que je brille. Allô, mes Soma. Hein?
Je suis au bureau. Quand tu m'appelles et que tu vois que je ne réponds pas, sache que je suis au bureau en train de travailler. Allô, Messoma, je n'ai pas d'argent. La seule personne qui t'a donné cette somme d'argent, c'est la grande sœur Neka. Appelle-la et dis-lui, elle va te donner. Humilie-toi et demande-lui. C'est quoi ton problème avec la grande sœur Neka? Désolée, oh. Pas de problème. Je vais essayer. T'es sûr que tu ne veux pas que je demande pour toi? D'accord. Ok, je vais te rappeler alors après. D'accord, bye. N'importe quoi. Un lieu formidable. Ok. Je veux demander une faveur, s'il te plaît. J'ai envie de monter quelque chose de pareil pour ma petite sœur. Ok. Je disais, comme cette boutique. Alors, j'aimerais savoir combien ça peut me coûter pour faire quelque chose de pareil. Ça peut faire combien? Je dois préparer combien pour l'enveloppe? Bon, ce qui est vrai, ça dépend de la qualité de votre marchandise. Puisque nos plantes sont originales. Pour monter un truc du genre, tu dois avoir une fourchette de 5 à 10 millions pour un début. 5 à 10 millions, ce n'est pas énorme. D'accord. Bien, mais je te conseillerais de trouver un autre endroit puisque ici nous sommes tellement en concurrence sur le marché. Oh, t'inquiète, je ne peux pas le faire aux alentours. Je le ferai ailleurs. Ok, s'il vous plaît, encore une précision. Avant qu'elle ne puisse commencer ses business, j'aimerais qu'elle vienne ici apprendre beaucoup devant toi. Pour qu'elle comprenne comment est-ce que ça évolue, combien elle va gagner, tu vois un peu, hein? Ok. Ok, c'est bon. On parlait de plantes. Ah oui, montre-moi des plantes qui sont là, de l'autre côté. Oui, 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 oui. Celui-ci? Oui, l'autre là, oui. Ça vient d'où ça? Ça vient du Brésil. Hé, hey, oh! Toi encore? Tu me pourchasses ou quoi? Filer n'est pas le mot approprié. Je ne te veux aucun mal. Tu vois, je suis attiré par quelque chose. Quelque chose d'absolument brillant. Et ce quelque chose, c'est toi. Désolé que je n'ai pas pu échapper. Je comprends que tu y es sans emploi. Penses-tu que je suis comme toutes ces filles que tu peux avoir avec tes mensonges? Je m'appelle Nagozi. Et je ne raconte pas de mensonges. Tu vois, je t'ai vu une fois. Et en ce moment, ton image vient juste de se télécharger dans mon cœur. Laisse-moi te connaître davantage et je te promets que tu ne le regretteras pas. Je veux te dire ceci librement. Cherche là où cette image est logée. Et efface ça. Tu ne peux pas m'avoir. Veux-tu en placer un pari? Car je parie qu'avant la fin de cette journée, tu seras en train de chanter mon nom. Wow! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette maison! Alors dis-moi, tu restes ici seule ou avec ta famille? Encore un mot provenant de toi. Je te mettrai hors de cette maison. Et ça, ce n'est pas tellement ce que je voudrais. Tu sais quoi? Viens ici. Viens avec moi, j'aimerais te montrer quelque chose à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être? Quelque chose de petite. Quelque chose de très bien. Je suis obligée de te la montrer. Tu as assez d'expérience, hein? Ok, je crois que tu vas aimer quand tu vas la voir. Je suis à ta disposition. Ada? Ada? Oui.
C'est toi? Bienvenue. C'est toi qui lui as envoyé mon numéro de compte? Hein? Oh, ça, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Ma belle, je ne faisais que t'aider. Aider? Hé! T'ai-je demandé de l'aide? Je t'ai supplié. Vraiment? Écoute-moi. Écoute. Ada, tu es mon amie. Et tu es ma colocatrice. Il y a un niveau, ça veut dire qu'il y a une borne entre cette relation. Je me suis fait comprendre. Quelle bêtise! Mais ça, s'il te plaît. Si tu n'as pas besoin de cet argent, pourquoi ne pas le virer à Allez, mon compte? Allez, dégage! C'est quoi ça? Pourquoi je te parle même? Laisse-moi l'appeler, que n'ose même pas envoyer cet argent sur mon compte. C'est quelle bêtise, ça? Peux-tu imaginer? Quelle stupidité! Tu me parles comme si j'étais ton enfant. Imagine un peu, ma chérie. C'était très compliqué, cette situation. Je te jure. Attends. Dis-moi que t'es pas sérieuse. Allô, Meso? Allô? Allô? C'est quoi exactement ton problème? Parce que je n'arrive pas du tout à te comprendre. Tu sais, si je t'avais mis cet argent, c'est parce que je t'aime bien, ma sœur. Je t'ai envoyé l'argent et tu m'insultes maintenant. C'est quoi ton problème? T'insulter? Tu n'as pas encore vu d'insulte? T'ai-je demandé de l'argent? Est-ce que je t'ai déjà appelé avant pour te dire « Neka, envoie-moi de l'argent » Qui t'a mendié? Mais Soma, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me hais jusqu'au point de refuser de boire dans le même verre que moi, ta sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te hais pas. Mais tu me détestes. Dis-moi, c'est à cause de nos indifférences depuis qu'on était enfant? Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, Neka. Je n'ai pas besoin de ton aide. J'en ai pas besoin. Mais So, s'il te plaît, je ne comprends rien. T'ai-je fait quelque chose de mal que tu ne veux pas me dire ou quoi? Je n'ai pas non plus besoin de ton argent. C'est comme si tu n'as jamais pris quelque chose pour venir de moi. Dis-moi, Meso, qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai pas besoin de ton argent. Mon ami m'en donne déjà. Ne te dérange pas pour moi, s'il te plaît. Parce que tu refuses de prendre quelque chose pour venir de ta sœur, je trouve qu'il y a un petit problème. Meso, je veux juste t'aider. Je veux juste être là pour toi. C'est tout ce que je veux. Tu sais quoi, Neka, s'il te plaît, j'ai même pas envie de parler beaucoup avec toi. S'il te plaît, n'ose plus reprendre ce que tu as fait. N'essaie plus de prendre mes identifiés à mon insu, ok? Ne me fais plus un transfert. Tu sais quoi? Envoie-moi ton numéro de compte, je vais te renvoyer tout ce que tu as mis sur le mien. Sottise. C'est vraiment impossible. Elle est vraiment impossible. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un par force? N'ose plus le faire la prochaine fois. Oh, n'importe s'il te quoi. Plaît. Zinzin. Oh. Si tu n'as pas besoin de cet argent, vire-les dans mon compte. Laisse-moi deviner. Des problèmes familiaux? C'est plus que ça. Ma sœur a juré de ne plus rien prendre de mes mains. Elle ne veut pas que je puisse l'aider. Elle ne veut pas... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Je comprends pas. Elle t'a dit ça? Tout ce que je viens de dire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle me déteste de cette façon. Ça me dépasse. Je ne comprends plus rien. Peut-être que c'est pas le cas. Il se pourrait qu'elle cherche juste à jouer à la grande fille. Tu comprends? Donc, je t'ai démontré de la laisser tranquille. Laisse-la résoudre ses problèmes. En tout cas, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu dis. Elle ne peut pas faire ses affaires elle-même. Cette fille me repousse comme une chose sale. Bien sûr qu'on était distantes lorsqu'on était encore des enfants. Mais maintenant, ça a pris une autre ampleur. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais même pas quoi dire pour le moment. Je ne pense pas que c'est sérieux, ma sœur. Calme-toi, ce n'est pas sérieux. C'est justement comme je te l'ai dit. Elle cherche juste à jouer à la grande fille de la ville. Laisse-la. Qui est une grande fille? Mais Soma ne connaît rien. De quoi parles-tu? Qui est une grande fille? Grande fille, qu'est-ce qu'elle a? Vous savez, je suis très fâchée maintenant. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je lui avais envoyé l'argent en premier lieu. Regardez mes Soma. Elle me demande de lui renvoyer mon numéro de compte. Mon Dieu, elle me nerve. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme problème? Je ne sais même pas deviner. Ça, ce n'est même plus de la haine. Pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression qu'elle me rejette à cause de ses raisons personnelles?
que ça peut être exactement? Non. Il y a sûrement quelque chose de mal. C'est comme si elle me refuse à cause de rien. Je n'ai pas eu cet argent pour faire souffrir ma famille. Pourquoi est-ce que mes sommets rend les choses difficiles pour moi? Bébé. Chérie. 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 Te voilà. Chérie, je t'ai cherché partout. Comment tu vas? Je pensais que tu dormais déjà. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est exact. J'ai dormi. Jusqu'à ce que je remarque que tu n'étais pas là à mes côtés. Tu as l'air inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Es-tu sûre? Ah, ça va. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller dormir? Je ne sais pas. Hey, ce n'est pas pour causer. Je vais juste te faire crier. Je veux que tu cries mon nom, bien sûr. Hein? Et j'aimerais bien te faire plaisir. Bien, je suis d'accord. C'est tout ce que j'attendais. Allons-y, allez. Oh, viens, allez. Belle femme, la beauté naturelle. Hey! Mon Dieu! Oh. Hein? Waneka! Ozo, regarde-toi! Oui, c'est bien moi, je vais bien! Oh. C'est donc vrai! Bien sûr que c'est vrai! Oh mon bébé! Hey, stop! Bouge! Recule de 5 mètres! Ah ah! Que veux-tu faire? Neka, c'est bien moi, non, Ozo? Ozo que tu connais, bien sûr. Bien sûr que je sais, mais cela ne te permet pas de t'approcher pour m'embrasser. As-tu perdu la tête? Ah ah. Moi, Neka, pourquoi tu es en train de parler comme ça, non? Pourquoi? Mais c'est bien moi, Ozo, tu connais. Je ne suis pas aveugle, monsieur. Bien sûr que je sais. Cela ne te permet pas de t'approcher de moi comme je viens de te le dire. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Waneka, je t'en prie, dis-moi que je suis en train de rêver là. Tu es en train de m'insulter. Oh, je t'insulte. Je vais te donner un conseil gratuit. Regarde-nous. Nous ne sommes pas de même niveau ni de même classe. Pour te rappeler, j'étais en train de faire un business au téléphone. C'est une transaction de millions de dollars. Et tu es une distraction pour moi maintenant, alors laisse-moi travailler. Tu peux t'asseoir dans un bar où tu t'assois souvent avec tes amis là. Je passerai peut-être sur mon chemin de retour. Je te verrai là-bas. Alors laisse-moi travailler, s'il te plaît, je t'en prie. J'espère que je ne monologue pas, hein. Monsieur, dégagez de ma vue. Partez, s'il vous plaît. Je dis, quittez devant moi. Dehors. As-tu besoin de pied? Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Regardez ces babouches! Hey! Qu'est-ce que je faisais avec un homme pareil? Il est comme un projet abandonné! Hey! Ah! Oh! S'il te plaît. Mon projet. Et toi? Et où? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire d'autre, toi? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part te moquer de moi? Non, attends. Grosse courge. Que veux-tu que je fasse?
que je te suive comme ton garçon de course jusqu'à la maison de Neka ou quoi. Regarde, mec, je t'avais déjà dit ça bien avant. Je t'avais dit qu'il n'y a pas moyen qu'une fille qui vient de la ville, qui s'est battue et souffert pour rentrer avec l'argent, qu'elle vienne à ta rencontre. Pour quelle raison? Écoute, tu sais quoi? Wane, laisse-moi te poser une question. Si c'est ta sœur qui a fait ça, n'allais-tu pas la gifler pour qu'elle revienne à ses sens? Et te voilà. Tu as dit. Tu as dit. Hein? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre que nous sommes amoureux l'un de l'autre? C'est justement de cet amour que je suis en train de parler. L'amour, n'est-ce pas? Tu parles d'amour. Écoute, mec, une femme qui t'aime ne te traiterait pas de la sorte. Même si tu n'es qu'une poule mouillée. Te rends-tu compte de ce qu'elle t'a fait? Hein? Elle est à ce niveau. Et toi, tu es là. Oh non, je me suis trompé, elle est ici. Vous deux, vous n'avez plus le même niveau. Oh mon cher, laisse-moi te conseiller. Si j'étais toi, j'irais en ville. Me battre, travailler et rentrer au village. Avec une voiture, de belles chaussures, des vêtements. Et comme ça, elle pourra te reconsidérer. Ah ah! Tu oui. T'es regardé, toi? Voilà qu'un pauvre comme toi est en train de parler des voitures. Toi, le garçon dans ce village qui dépend de maman pour absolument toute chose. Laisse tomber. Mais que tu le veilles ou non, au moins je vais en ville d'ici la semaine prochaine. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as à offrir? Rien du tout. Reste là, comme tu l'as toujours voulu. Reste. Idiot. Tu as dit, quand je suis arrivé ici, je ne t'ai même pas appelé. Je ne t'ai pas appelé quand je suis arrivé ici. Bien sûr. Tel que tu me vois, je suis venu ici pour me relaxer et penser à ma vie. Je ne veux pas de dérangement. Prends tes dérangements et va-t'en avec parce que là, j'ai besoin de penser à ma vie, je t'en prie. Désolé. Avant que je ne puisse me fâcher parce que là, je vais vraiment te gifler, oh. Pardon? Je vais te gifler, oh. Laisse-moi, oh. Attends. T'as, oublie ça. Oublie ça. Écoute, je suis plus fort que toi. Oh, tu penses que puisque je t'avais laissé la fois passée, Wane, ose seulement. Ose, mec. Pendant vas-y, que non? Tu parles, arrête de me toucher. Wane, vas-y. Vas-y, essaie. Vas-y. Tape-moi, non? Non mais on ne peut plus blaguer, blaguer avec toi. Tu fuis maintenant. Tu fuis maintenant. Reviens ici, non? Écoute-moi. Malade. J'ai pitié de toi, oh. Oublie cette femme, je te dis. Oublie-la. Écoute. Si tu ne fais pas attention maintenant, tu risques de rêver pour... Je vais te baisser, je te jure. Je ne comprends pas. Je n'arrive juste pas à comprendre. Qu'ai-je fait de mal pour faire écrouler mes affaires de la sorte? Ces derniers mois représentent les efforts que j'ai fournis dans ces affaires pour réaliser mes rêves. Pourquoi? Bébé, s'il te plaît, tu dois te calmer. Hein? Tu t'es fait du mal et ce n'est pas bien pour toi. Comment je suis censé me calmer? Comment espères-tu qu'un homme d'affaires comme moi se calme avec l'état dans lequel se trouvent mes affaires? Et ce qui me dérange le plus, c'est que ceci ne m'est jamais arrivé avant. Jamais. Tu sais, je pense que je connais la cause. C'est à cause de ta petite amie. Oh, je veux dire, tous tes petits amis. Chasse-le. Je leur avais demandé, Neki. D'ailleurs, je ne pense pas que l'un d'entre eux soit capable de faire ça. Ok, laisse-moi te dire qu'il ne faut pas avoir confiance d'une personne que tu ne connais pas. Personne n'accepte qu'il a volé sans pour autant qu'on puisse l'attraper. Alors, quelle garantie pourrais-je avoir? Qu'après les avoir tous virés, les choses reviendront à la normale. Bien, je te dirai ceci. Écoute-moi. Tu es un grand homme d'affaires. Tu es très intelligent. Tu vas encore remonter après ce faillite. Je crois en toi. Tu es plus fort que ça. Tu sais quoi? Je t'ai emmené du chocolat chaud. Je sais que tu vas aimer et ça va te permettre de te calmer plus vite.
tu sais bien manipuler tes mots. Je sais manipuler mes mots quand je parle avec toi. Et c'est pour ça que je t'aime. Et je t'aime aussi. Viens ici. Désolée, je ne t'ai pas bien entendu. Que viens-tu de dire? Nadosé, tu m'as entendu clairement. C'est ce que je t'ai dit. Tu vois la chose qui s'est passée entre nous, je te dis que c'est fini. Je ne peux plus. Tu sais quoi, j'en ai fini, ok? Écoute, toi, tu as fini? C'est fini? Comment m'expliques-tu ça? Tu n'as pas froid aux yeux en me disant que ce que nous partageons, cette adorable relation, a pris fin? Comment? Oui, je peux me réveiller un matin et finir cette histoire qu'on avait ensemble. Mais si tu ne comprends pas, je veux t'expliquer en quelques lignes. Nadosé, regarde-toi. Regarde-moi aussi. Suis-je comme une fille que tu peux courir après? Nous ne sommes pas de la même classe. Nadosé, je suis là et toi, tu es ici. On n'est pas pareil. Tu sais, lorsque je t'avais vu, je pensais qu'on allait évoluer, on allait avoir des trucs ensemble, genre maison. Je pensais que tu étais un bon homme pour moi, mais j'avais mal pensé. C'est exactement ce que je vais corriger maintenant là. Tu vois un peu? Tu dois quitter ma maison. On en a fini. Je ne peux plus te gérer, n'est-ce pas? Juste parce que j'ai des petits soucis dans mes affaires. Soudainement, je ne peux plus te gérer. Très bien. Attends, s'il te plaît. T'ai-je entendu dire des petits soucis? Non, ça c'est énorme. Regarde-toi un peu. Tu es mal habillé. Tu as l'air très sale. Tu es comme quelqu'un qui provient de je ne sais où. Regarde tes cheveux non coiffés. Cette histoire, je l'ai mis fin aujourd'hui. Si j'étais à ta place, j'allais quitter ici pour emballer mes affaires maintenant. Et alors, je veux que tu dégages de ma maison maintenant même. Hey, bébé, écoute, peut résoudre ça, tu vois. Ok, on peut résoudre ça. Madame. Chérie, peut-on juste résoudre ça? Madame, tu vois... S'il te plaît, sors-moi ce petit rat hors de ma parcelle. Quoi? Hé! Hey, je ne veux rien entendre. Oya. Akete, le chef, la tête de cette maison est là pour te faire sortir. J'ai pitié pour toi. Oh. C'est pas parce que tu manges trop. Moi, je mange pas. Regarde comment tu es gros. Akete. Mais regarde-moi. Allez, sors! Je n'ai pas maintenant. De temps, non? Chérie. Ah, monsieur, hey, ne surtout pas me toucher, c'est ok? C'est avec cette main que je contrôle la beau. Je vais l'utiliser pour détruire ta peau. Et tu ne vas pas comprendre, tu vas tomber par terre comme du n'importe quoi. Allez, sors. Chérie. Sors, je dis. Regarde. Sors. Si tu oses. Sors, je dis. Si tu me touches encore. Madame, que je le tape. Fais sortir ce monsieur vite. Allez, sors, du sors. Calme, du calme, je allez, sors. Sors. Quoi? Toi. N'importe quoi. À qui disait un fou celui-là? Oh mon Dieu! Oh. Il veut me déranger. Ah. S'il te plaît, ferme-moi la porte, je t'en prie. Qui est-ce? Akidi, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La personne t'a dit qu'elle est ma sœur, mais tu la laisses. Va me la ramener ici. Es-tu malade? Va me prendre ma sœur. Akidi, fais attention. Va me prendre ma sœur maintenant, fais vite! Jésus-Christ, c'est quelle sorte de... Ouh.
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment as-tu pu faire ça? Tu avais une affaire avec ton boss? Pourquoi? Il m'avait promis... Il t'avait promis quoi? La promotion? Apparemment, il ne te l'a pas donné. Et puis, il t'a chassé après ses résultats. Parce qu'il ne veut pas que son nom soit sali. Comment pouvais-tu te ramasser jusqu'à avoir une affaire avec ton boss? Je suis désolée, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à avoir des sentiments. Oh mon Dieu. Pour... Voilà pourquoi j'avais fait ça. Je suis désolée. Ça, c'est vraiment incroyable. Tu sais, je n'imaginais pas que tu pouvais avoir une affaire avec lui. Et tu as eu un rapport sexuel sans protection. Lorsque j'imagine tout ça, en tout cas, tu m'as déçue. Oh! Grand-sœur, s'il te plaît, pardonne-moi si tu te fâches ainsi, alors que ce moment ferait à ta place. Voilà pourquoi je suis venue. C'est pour ça que tu es venue? Et qu'est-ce que je dois faire alors? Aide-moi à parler avec elle. Ah! C'est vraiment une blague ce que j'entends là. S'il te plaît, grand-sœur. Ojoa, s'il te plaît, je t'en prie, pardon. Jésus. Pas question. Pas question que je ne puisse accepter cette bêtise. Oujou. Oujoua. Hé hey, Dieu. Maman. Maman. Hé hey. Maman. Maman, vas-y. Est-ce que je peux faire mal? Dis une bonne chose. Laissez-moi mourir. Il serait mieux que je meure au lieu de supporter la honte que cet idiote a ramené dans cette famille. Maman, non. Arrête de parler ainsi, non. Toi. Arrête de dire ce que tu dis là. Oh, maman, arrête. Maman, pardon. Tu es désolée, comme si ça allait arranger les choses. Hein? Tu es désolée, et après quoi? Hein? Une chose est sûre. Cette maison ne pourra pas nous contenir toutes les deux. Pardon, cette maison sera trop petite pour nous. Tu ne vas pas vivre maman, ici. Tu dois t'en aller. Ce qui est fait est déjà fait. Calme-toi, s'il te plaît. Pardon. Tu ne sais pas combien je souffre pour t'envoyer à l'école. Des fois, je manque même à manger, mais je préfère t'envoyer à l'école. Et qu'est-ce que tu m'as ramené? La honte? L'humiliation? Par-dessus tout, l'auteur de cette grossesse l'a lié. Ojoa, je ne vais jamais te pardonner. Maman, je ne vais jamais te pardonner. S'il te plaît, je t'en prie, viens avec moi. J'ai des trucs à te dire maintenant, maman, c'est très important. Viens avec moi, s'il te plaît, je t'en prie. Laisse-la tranquille. Allons à l'intérieur. Viens avec moi. Ah, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Rentre d'où tu viens, parce que cette maison ne pourra nous contenir, elle sera trop petite pour nous. Tu ne veux pas rester maman, ici. S'il te plaît. Rentre d'où tu viens. Viens avec moi. Hé, hey, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, viens te mettre. Viens te mettre, prends place. J'ai honte de moi-même. Je sais même pas comment est-ce que tout ceci m'est arrivé. C'est de cette façon que tu voulais avoir une promotion. Comment tu peux sortir avec un homme marié? À quoi d'autre? Tu pouvais t'attendre. Si ce n'est pas ça. Veux-tu me condamner maintenant? Même si je fais ça avec un homme marié, ma maman n'a pas le droit de me chasser comme cet homme l'a fait. Dis-moi d'abord, suis-je la première à le non. faire? Non. Tu es la première à le faire dans cette famille. Tu n'as pas le droit de parler. Tu es la première à briser cette confiance qu'elle a de nous autres et de toi. Ce n'est pas à toi de jouer à la victime ici. Sache que c'est moi qui est plus victimisée dans cette affaire et non toi. Puisque tu as brisé, tu as abusé de sa confiance. Allez, arrête. C'est fini. Arrête, c'est fini. Ne pousse pas à pleurer, oh. Allez, ok, arrête. Oh, oh mon Dieu. Mes salutations, la grande déesse de la fortune. Ton heure est arrivée. Tu dois offrir le sacrifice à la grande déesse de la fortune.
tu as 7 jours. 7 jours pour accomplir ta tâche. Es-tu prête à le faire? La désobéissance et la mort. La grandesse de la fortune. Dis-moi, tu as une bonne mine et tu brilles. C'est la grossesse. Je vois. Comment va maman? Tu as son numéro, non? Tu peux l'appeler? On s'étiraille maintenant. Non, on ne s'étiraille pas. Bien, le problème est que quand j'appelle maman, elle ne prend jamais mes appels. Deux fois, elle répond, mais elle ne dit rien. Je ne sais plus ce que je peux faire. T'inquiète, ça va aller. Donne-lui juste un temps. Elle va te pardonner, d'accord? Je ne comprends pas. Je veux qu'elle puisse me parler avant que je n'aille à l'accouchement, tu vois? Oudjou, tu dois te calmer, ok? Te faire des soucis n'est pas du tout bon pour ton état. T'inquiète, je vais lui parler quand je serai là-bas, d'accord? S'il te plaît, fais-le, je ne me sens pas bien. Je sais que ça te dérange. Ok, les filles, en fait, j'aimerais vous dire que j'ai une surprise pour chacune de vous. Donnez-moi quelques secondes, j'arrive. C'est quoi? Si c'est l'argent, on va partager, hein? Reste calme, on va aller régler ton affaire avec maman, tu es en train de chercher de l'argent. Ok, je suis là. J'ai acheté quelque chose pour toi. C'est pour ton anniversaire. Je sais que c'est tard. Merci, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter en achetant des présents pour me prouver que tu m'aimes. Je ne veux rien venant de toi. Je te l'ai toujours dit, je n'ai besoin de quoi que ce soit venant de toi. Merci. Hey! Pitié pour toi, oh. Elle t'a emmené un cadeau avec toute gentillesse, mais tu le rejettes. Ok, merci. Merci. Donc je vais voir. Ha! Mais Soma, donc tu ne changes pas. Jamais. Tu as combien dans ton sac? Tu as toujours cette rancune envers moi? Tu ne veux pas de mes cadeaux? Ah, t'inquiète, elle va prendre. Hein? Es-tu folle? Est-ce que tu vas bien? Tu es normale? Merci, merci. J'ai dit merci. De rien, de rien. J'ai déjà dit de rien. Mais j'ai dit merci, non? Oh, désolée, ça va. Merci. Oh. Ok, je m'en vais déjà. Honnêtement, tu dois arrêter ça. Je n'ai aucune raison de le faire. Je ne suis pas aveugle. Je vois chaque fois que tu es ici, tu es toujours en colère contre elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la vérité. Il n'y a rien à voir avec. Ça va, il n'y a rien. Mais la vérité est que je ne sais comment l'expliquer. À chaque fois que je suis à côté d'elle, je me sens toujours nerveuse, impatiente. Je ne sais quel mot trouver pour l'expliquer. Il y a comme une sorte de domination qui essaie de prendre de l'emprise sur moi, mais je résiste. Domination? Oui, comme une force. Ou du moins, je ne saurais l'expliquer. J'aurais souhaité connaître le terme approprié. À ce que je ressens, je ne la comprends pas. Et ça ne fait que monter. Ah, ma sœur, je ne veux pas te déranger à cause de ce que tu ressens pour elle. Mais s'il te plaît, il est temps de faire la paix. Nous ne sommes plus nombreuses. La grande sœur Adji est partie, tu le sais. Tu n'as encore rien compris, du moins. N'oublie pas que je suis ta grande sœur. Alors? Je continuerai à être comme ça jusqu'à ce qu'elle change et qu'elle me dise la source de son argent. Puisque je ne comprends pas,
Elle doit m'expliquer où est-ce qu'elle a eu de l'argent pour avoir. Tu n'es pas son manager, c'est pas ton problème. Elle est ma sœur et je la connais très bien. Elle est ta grande sœur. Si tu es en train de m'expliquer chez toi, allez, va avec ton ventre là-dedans. Gare à toi, hein, je vais te donner un. Allez, viens. T'inquiète. Bon, on se voit. Hein. Bye. Au revoir. Bye. Tu vas te reposer. N'importe quoi. J'en ai pas besoin. Waouh! Ma belle, c'est très joli. C'est parfait. Allez, pardon, arrête. Non, je ne plaisante pas. C'est comme si ça a été conçu spécialement pour toi. Bien, merci. Voyez-moi cette fille. C'est ma sœur qui me l'a offert. Oui, tu me l'avais dit et c'est très gentil. Laisse tomber, trouve-moi ce que je peux mettre au pied. Oh! Allô? Allô? Quoi? Tu dis? Hey! Le diable est un menteur! Oh! Jésus-Christ! Je crois que ce n'est pas grave. Hey! Oujoua, calme-toi, Oujoua. Dis-moi, c'est quoi? Mais Soma! Mais Soma fait quoi? Mais Soma a connu un accident. Comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-moi, qui t'a appelé? Son ami! Donne-moi le numéro, c'est ça! Hey! Les hommes étaient menteurs. Je dois appeler ce numéro maintenant. Là. D'ailleurs, je dois aller là-bas maintenant. Cette nuit! Je dois partir. De quoi parlais-tu? Je dois voir ma soeur cette nuit. Je dois partir là-bas. C'est urgent! Comment tu te sens? Ça va un peu. Tout ira bien. Ses bras sont devenus très lourds. Oh mon Dieu! Meso! Grande sœur Neka, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr que je suis venue te voir. J'ai appris que tu as connu un accident. Voilà pourquoi je suis là. Je suis venue te voir et voir cet idiot qui t'a causé cet accident. Il doit être arrêté maintenant. Il semblerait que cet idiot soit moi. Oh, vraiment? Tu es vraiment un idiot. Et qu'est-ce que ce fou fait ici? Il doit déjà être en prison. Grande sœur, il n'est pas un criminel. C'est une erreur. Si je n'étais pas sortie, tout ceci n'arriverait pas. Oui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit qu'elle avait des démangeaisons quand elle avait porté ceci. C'est ce qui a fait qu'elle puisse se comporter comme une folle dans la route en se grattant partout. Oui. C'est un peu ce qui s'est passé. Exactement. On dirait que cet habit était infecté. Je ne sais de quoi. Je ne faisais que me gratter. Chemin faisant, j'étais devenue très agitée. Courant vers le macadam. Par ignorance, sinon je serais morte. Mais bien qu'allongée, ça ne cesse de me... J'avais dit la vie. Désolée. Je sais que tu t'inquiètes pour elle, mais elle va très bien. Parce que les docteurs ont déjà fait quelques tests sur elle et l'ont confirmé. Elle ira très bien. Prie Dieu qu'elle soit toujours bien. Parce que si quelque chose arrive à ma sœur, je te jure, en tout cas, tu seras emprisonnée. Neka, j'ai besoin de calme. S'il te plaît, arrête de prier. Je vais aller chercher les résultats dans le bureau du docteur. Tu ferais mieux de partir. C'est un Neka, c'est quoi cette façon d'agir, non? Tu veux dire quoi par cette façon d'agir, non? Quelqu'un qui voulait t'ôter la vie et tu veux que je sois gentille envers lui? Elle ira bien. Elle doit bien se sentir. Mon pied est devenu tellement lourd, je n'arrive pas à le soulever. Dieu merci, oh. Dieu merci. J'allais faire une crise à cause de ce problème. Et si quelque chose de mal m'était arrivé, j'allais faire quoi? Ma chérie, voilà pourquoi on ne se précipite pas devant une situation.
Je suis contente de l'avoir trouvé en bon état. Dieu merci pour sa vie. Et je n'arrivais pas à manger. J'avais tellement peur. J'ai sorti, j'entrais. Je ne savais même pas quoi faire. Maintenant, tu dois reprendre tes états parce qu'on a vu qu'il n'y a rien. Tu dois donner à manger à ce bébé qui est dans ton ventre. Ok? Merci. Ok, moi je veux entrer dans la chambre. J'ai envie de me reposer un peu. Je suis très fatiguée. Donc, donne-moi l'alcool. Le docteur a dit que je peux maintenant boire parce que l'enfant a déjà grandi. J'espère qu'avant, je ne prenais pas du tout. Il m'a dit ça aujourd'hui. Ok, c'est bon alors. N'importe quoi. Dans cet état, tu peux prendre l'alcool. Va boire de l'eau là-bas. Qui est ici? C'est quel genre de fille celle-là? Pourquoi elle est comme ça? C'est quoi finalement son problème? Pourquoi n'est-elle pas morte? Je suis sûre que je n'avais pas fait d'erreur. Je sais que c'était très facile. Tu lui avais donné la robe. Dès qu'elle devait la mettre, elle devrait connaître cet accident. Pourquoi n'était-elle pas morte? Tu n'as pas payé ton dû. Mes salutations, la grandesse de la fortune. Tu as échoué à la mission. Je sais, ma grande prêtresse, mais j'avais essayé. J'avais fait toutes les instructions demandées. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça n'a pas pu marcher. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Ton heure est venue. Tu dois faire le choix de la personne que tu vas sacrifier à la grande déesse de la fortune. Sinon, ta vie te sera ôtée. Qu'est-ce que je vais faire? Sans effet. Je viens te battre au nom de Jésus. Je te révoque au nom puissant de Jésus. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Je me lève contre toi au nom de Jésus. Doucement, désolée. Ça va aller. Doucement. 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 Ça va aller. Aie courage. Oui. Fais un effort. Fais un effort de descendre jusqu'à nous aller. Oui. Courage. Vas-y. Oui. Courage. Allons-y. Oui. Vas-y. Fais un effort. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Oui. D'accord. Doucement. D'accord. Ouais. C'est bon. Ça va. Encore un peu d'effort. Encore un peu d'effort. Vas-y. Ça va aller. Ça va aller. Doucement. Doucement. Encore un peu d'effort. Ça va aller, ça va aller. Courage, vas-y. Vas-y. Encore. Oui, vas-y, fais un effort. Fais un effort, on va arriver. Descends. Oui, vas-y. Ok. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui. Vas-y. Encore.
fais un effort. Vas-y, vas-y, ça va aller. Courage, courage, toi. Oh, vas-y. Fais un effort. Ok. 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 Encore. Vas-y, pense toi, ça va aller. Regarde, on peut arriver. Vas-y. Encore un effort. Juste un tout petit peu. On peut arriver. Ah, vas-y. Encore. Tu vois, la porte est juste à côté, ça va, hein? D'accord. Vas-y. Allons-y. Respire. Aspire. Encore. Vas-y. Vas-y. Coucou! Vas-y, oui, encore. Coucou! Où es-tu? Viens m'aider ici. Dépêche-toi. Imbécile insensé. Arrête de faire les bêtises. Arrête de toucher comme ça. Arrête de toucher. Allez, tiens, tiens là. On va la faire tomber. Dépêche-toi vite. Imbécile, je te gifle. Hein. Je suis pas ton ami. Imbécile insensé. Vas-y, go. Hein. Aspire. Respire. Courage. Ça va aller, ma chérie. Ça va. Encore un peu d'effort. Vas-y. Je t'aime. Imbécile, insensé. Est-ce que c'est pour rien? Merci, la généreuse et la vénéreuse mère, pour toujours être là et répondre aux appels des pauvres. Maintenant, je peux aller bénir la cérémonie.
Maman, ça suffit. Hein? Pendant combien de temps vas-tu continuer à pleurer ainsi? S'il te plaît. Et cette idée-là de rester au village toi-même, maman, ça ne sera pas possible. Il serait mieux que tu viennes en ville avec moi. Ça sera bénéfique pour nous deux, maman. S'il te plaît, viens avec moi en ville. Je t'en prie. Et pour la parcelle, on va trouver quelqu'un qui va la garder. T'inquiète, maman. Nous allons trouver la solution jusqu'à ce que tu vas revenir. Mais pour l'instant, allons d'abord en ville, s'il te plaît. Maman, je crois qu'elle a raison. Tu ne peux pas rester ici seule. S'il te plaît, fais ce qu'elle te dit. Oh. Maman, arrête, non. Ça suffit. Ça suffit, maman. S'il vous plaît, vous deux, vous voulez quoi? Nous nous marions. Je l'avais déjà entendu. Je demande, avec qui veux-tu exactement te marier? Lui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre personne de sexe masculin ici? Meso. Tu sais, depuis ton enfance, je t'interdisais toujours d'avoir ce courage. Lorsqu'il était question de chercher un homme, il y a beaucoup d'hommes à l'extérieur, s'il te plaît. Ma chérie, c'est quoi? Tu peux te chercher quelqu'un de meilleur. Que fais-tu avec cette chose assise à côté de toi? Attends une minute. N'est-ce pas la même personne qui voulait te tuer dans cet accident? Qu'est-ce que tu fais avec lui pour l'amour du ciel? Tu ne peux pas trouver quelqu'un de mieux? Waneka, il est mon fiancé. Et nous préparons notre mariage. Je ne sais pas pourquoi tu veux me compliquer la vie. Ma fille, je suis très contente pour toi. Merci, maman. Très contente pour toi. Oh. Merci, maman. Tu dis que tu es contente pour cette chose, cet idiot? J'attendais ceci. J'attendais ceci depuis très longtemps. Apprendre ce genre de bonnes nouvelles. Nah. Bienvenue, mon fils. Merci. Mais tu as dit bienvenue? Hein? Tu lui as dit bienvenue? Comment? Waneka, tu vois, si tu n'avais pas choisi de négliger tous ces hommes qui faisaient les tours dans ta maison, en ce moment, tu serais déjà mariée. Hein? Ta sœur Ijoma n'avait pas eu la chance de se marier à Charles quand elle était en vie, alors... S'il te plaît. Maman, ces hommes que tu voyais ici n'étaient pas bons pour moi. Je n'avais pris aucun autre parce que ce n'était pas facile de trouver un bon homme et vivre avec lui. Oh, donc tous ces hommes-là ne sont pas bien pour toi? Maman, excuse-moi. Maman, ce projet de mariage va réussir. Amen. Je ne mourrai pas avant mon mariage. Amen. Amen. Je ne mourrai pas non plus de mort des hommes. Oh Jésus. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Idiote. Toi, idiote. Une femme qui est assise à tes côtés et tu dis que tu vas l'épouser. Vous répondez aussi amen. Tu n'as même pas honte. Hein? Je veux t'épouser. Tu devrais dire que tu vas l'épouser au lieu de dire amen. Comme une femme, tu dis aussi amen. Je n'ai même pas honte. Waneka, mais qu'est-ce que ça fait? Ma fille, que ta sœur l'épouse ou que lui épouse ta sœur, ça ne fait rien. L'essentiel est qu'il puisse se marier. Merci. Qu'est-ce que ça fait? Maman, s'il te plaît, ça c'est une abomination et non un mariage. Ça c'est ma vie. Ne te mêle pas dans mes affaires. Mais Soma, je ne me mêle pas du tout. J'ai juste fait une observation. Je ne te permets pas d'entrer dans ma vie privée. C'est parce que je me soucie de toi, Mesoma. Et je désire le meilleur pour toi. Écoute, cette chose que tu as emmenée ici, je ne sais même pas comment est-ce que tu l'as rencontrée. Je sais que tu ne t'es pas beaucoup promenée dans la vie.
Voilà pourquoi tu sautes vite sur une chose qui se présente devant toi, juste comme ça. Cet homme que tu vois là est une erreur grave. Toi non plus. Tu n'as pas encore été fiancée. Point de correction, je ne suis pas le sujet de ces débats. Ce qui importe dans cette discussion est que tu acceptes ma décision. Laisse-moi faire mes erreurs, s'il te plaît. Tu n'as qu'à l'accepter. Ah, écoute, je n'accepterai pas ça. Je veux dire, et si je ne veux pas? Je ne demande pas ta permission. Je me marie, avec ou sans ton consentement. Ok, maman, je le ferai. Ok, mon fils. Baby. Bébé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. J'étais en train de discuter un peu avec ma sœur chérie. Ah, ok. Maman, nous sommes déjà en train de partir. Ok. Venez souvent nous rendre visite. On le fera, maman. Nous ferons notre mieux. Maman, prends bien soin de toi, ok? Je le ferai. Oh. D'accord, maman. Ça, c'est un petit rien pour votre transport. Merci. Eh oh, bye bye. Bye maman, prends soin de toi. Oh. Un problème chérie? Bébé, donne-moi une minute s'il te plaît. Ok. Je te reviens, ok? D'accord. Bébé, as-tu oublié quelque chose? Non, pas du tout. J'étais allée juste retourner ce qu'elle m'a donné comme argent. Ah, ok. Et qu'est-ce que c'était? On y va. Madame, bonjour. Oui, bonjour, Akidi. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est votre sœur. Elle m'a demandé de vous donner quelque chose. Ma sœur t'a dit de me donner quelque chose? Oui, madame. Elle a dit que vous avez oublié cet argent dans son sac. Que je vienne vous le remettre. Donne-moi cet argent. Madame, y a-t-il un problème? Tu veux dire qu'il t'a dit ça? Oui, elle a dit que vous l'avez oublié, que je voulais remettre. D'accord, tu peux partir. Que je parte? Mon ami, dégage de ma vue maintenant. Je m'en vais au... Akidi, viens. Bon, prends cet argent. Fais tout ce que tu veux avec. Que je le prenne? Non, mets ça dans ma boisson. Mon ami, dégage de ma vue maintenant. Ma boss! Il n'y a pas de comme vous. Ma boss! Je vais aller prendre soin de moi maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? C'est quoi exactement son problème? Elle ne veut tout de même pas sentir ma présence. Neka!
C'est toi qui as envoyé des gens jusqu'au chez moi pour m'apporter tout un tas d'articles. Est-ce que je te l'ai demandé? Neka, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Combien de fois t'ai-je déjà interdit de te mêler dans mes affaires? C'est quoi ce que tu fais? Écoute, s'il te plaît, écoute-moi d'abord, j'ai dit merci. Peu importe, merci. Je viens de retourner ce lot d'articles que tu m'as envoyé. Nous n'avons pas besoin de ton aide. Nous n'en avons pas besoin. Hey, laisse mon ménage avec sa pauvreté. Est-ce ta pauvreté? C'est ta pauvreté? Est-ce ta pauvreté? Nous ne t'avons pas dit qu'on avait besoin de faire un mariage de rêve. Laisse-nous tranquille. On n'a pas besoin de toi. Fous-nous la paix. N'importe quoi. Tu as fini? Neka, nous ne ferons pas un mariage prodigué. Notre cérémonie sera simple. Si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi. C'est quoi ton problème? Non sens. As-tu fini? Je ne comprends pas cela. Pourquoi ne peux-tu pas accepter une seule aide de sa part? Pourquoi? Je ne veux pas tout simplement. Mais Soma, tu mérites de vivre dans une meilleure condition. Elle est ta sœur. Vous partagez la même fraternité. Elle ne fait qu'essayer d'aider. Est-ce que cela a à voir avec le fait que je refusais? Ou que tu refuses le boulot où elle t'a casé? Parce que je crois que c'est un appel intéressant. Bien sûr que non. Tu sais que j'ai eu un meilleur emploi. Grâce à tes prières et à ta foi. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que je ne comprends pas tout ça. Parce que tu as l'air d'être dans une guerre constante avec ta sœur qui ne finira presque jamais. C'est parce qu'il y a pas mal de choses entre moi et ma sœur que tu ignores. Il ne nous reste que 6 semaines pour nous marier. Mais Soma, nous n'avons que 6 semaines pour les préparatifs et je ne comprends toujours rien de ce qui se passe. Tu dois m'éclairer sur certains points. Quoi? Tu penses qu'elle est dans quoi? Ce n'est qu'une intuition pour le moment, mon chéri. Et c'est ce qui fait que tu puisses la haïr à ce point, dis-moi. Je ne la hais pas, je ne la déteste pas non plus. Ça peut paraître stupide, mais je ne sais comment me faire comprendre. Et c'est ça mon problème. C'est ce qui me dérange. Et alors tu penses qu'elle vend son corps pour de l'argent? Vraiment? Ça c'est tout ce que je peux dire. Comment expliquer qu'une jeune femme peut avoir une telle fortune dans un laps de temps? Business! Elle fait du business. Le business? Avec ce petit salon qui ne fonctionne presque plus? Arrange-y. Connaissant toutes ces choses, si je prends de l'argent auprès d'elle, cela signifie que je l'encourage à continuer dans ses mauvaises voies. Moi, je ne veux pas le faire. Je ne le ferai pas. Et aussi parce que je ne tolérerai jamais la politique de la main tendue dans toute ma vie. Et la traiter comme tu le fais ne va pas du tout résoudre ce problème-là. Chérie, voici ce que je pense que tu devrais faire. Essaie de lui parler en tant qu'amie. Oui, rapproche-toi d'elle. Et là, tu vas finalement découvrir ce qui se passe et peut-être même pouvoir l'aider. Ah bon? Oui. Je n'oserai jamais le faire, point barre. Elle est ta sœur. Au Congo. Ok, drive money.
Enfin, le jour J est arrivé. Oh oui, c'est ça. Oui, un jour béni est toujours accompagné par les esprits joyeux de nos dieux. Oh oui. Oh, oh oui. Odogu, tu as vu, hein. Puis-je partager la boisson? Pas encore. Non, pas maintenant. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Odogu. Emmanuel Teko. Chez nous, on dit que un animal qui est poursuivi par un lion doit être un gibier précié pour ces lions-là. Oui, très bien dit. C'est très sage. Vous savez, nous sommes pendant la saison des pluies. Il y a trop de fruits dans les arbres par-ci, par-là, vous le savez. Mais mon fils a insisté que il y a un fruit très rare qu'il a découvert dans votre jardin et qui ne sera jamais en paix jusqu'à ce qu'il l'aura. Alors, nous avons décidé de braver la pluie et venir vous voir pour qu'il puisse identifier devant notre présence ces fruits-là. Ça c'est très bien dit. Ça dépend du genre de fruits que vous cherchez. Fruits, je ne sais pas encore comment vous avez appelé ça. Parce qu'il y en a plusieurs ici en tout cas. Exactement. Quels fruits cherchez-vous donc? C'est quoi encore tout ça? Mes beaux frères. Le nom de ces fruits. Ces fruits si précieux et rare qu'il a découvert. Et Mesoma. Ok, très bien. Nana, va nous appeler Mesoma. Elle est là. Ok. Hey, Adama. Ma jolie fille. Adobo Doibo. Hey, ma fille. En tout cas. Omega Naya. Que Dieu soit loué. Je t'ai fait venir. Parce que tu vois, ces gens, ces jeunes hommes et cet ancien qui a presque mon âge sont venus pour toi. Et ils ont décoré cette table juste pour une seule raison. Hein? Et Désolé d'interrompre, mon cher ami. Oh, merci. Mais Somme, connais-tu ce jeune homme? Oui. Et qui est-il pour toi? Il est mon fiancé. Que Dieu soit loué. C'est sorti de sa peau. Que Dieu soit loué. Ça, c'est bien. Tu as vu, tout est clair maintenant. Félicitations. Ok, ma fille, tu es libre. Tu acceptes de l'épouser? Oui. Oh, c'est confirmé. Voilà, c'est ça. Confirmé. C'est ce qu'on voulait vraiment. Ozioma, Izune. Mon Dieu, je ne crois pas à mes yeux. Toi? C'est toi? Oui.
Oh, tu es toute belle. Toi de même. Tu as complètement changé. Je te vois différente. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste la vie. Je suis en vie. Tout va très bien. Comme tu le vois, ça va. Tu as l'air... de quelqu'un qui est enceinte et mariée. Dis-moi, oui, c'est quoi? Mais ça fait très longtemps. C'est vrai? Oui, je me suis mariée à l'homme le plus... Salomon! Oui, c'est au fait ça. Ok. Après un moment, personne ne l'a plus revu ni entendu de mon frère. On dirait qu'il ne faisait plus partie de la terre des vivants. Ainsi, tout était parti avec mon frère, avec elle. Ok. Ok. Bébé, est-ce que ça va? Oui, oui, je vais bien. Tu veux parquer un moment? On peut s'arrêter. Non, je vais bien. Arrête-toi. Solo, oui. Arrête-toi. Ok, ok, c'est bon. Est-ce que tu peux me dire ce qui ne va pas, puisque tu as changé d'humeur depuis qu'on est sorti du restaurant et maintenant, Zioma? J'ai l'impression que vous vous connaissez tous les deux. Dis-moi comment. Bébé, peux-tu en parler une fois à la maison? Non, dis-le-moi maintenant, je veux entendre la vérité. Qui est-elle pour toi ou elle était qui pour toi? Ah, c'est bon. C'est bon. Solo? Ozioma. Aujourd'hui. Elle a grandi tout en étant très très belle et elle est aussi mariée. Ton père sera très content. Un homme très méchant. Tout ça c'est de sa faute. C'est à cause de lui que tu es dans cette condition. Il m'a poussée à faire ceci. Je n'étais pas suffisante. Je n'étais pas vraiment suffisante. Mais à cause de lui, je me suis introduite dans un trou. Je sais bien ce que je lui avais fait. Si seulement il savait. Mais pour toi, mon amour, tu es très bien. Très, très bien que lui, je te jure. Bébé, tu dois partir. Ils viennent te chercher. Tu dois partir maintenant. Non, mon amour. Tu vas bien. Tu vas très bien. Personne ne va te toucher ici. Je vais te protéger. Maintenant, laisse-moi faire l'amour avec toi. Tu aimes, n'est-ce pas?
On ne peut pas les échapper pour toujours. Ils sont tellement en colère et déterminés. Avançons avec le mariage, s'il te plaît. Oh oui, je sais, mon père. Écoute, j'en ai marre de ces propos qui sont à chaque fois déshonorants. Et ça ne donne aucun résultat positif. Écoute, je pense que si on avance avec le mariage, il n'aura pas d'autre choix que celui de nous accepter. Je suis fatigué. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Je t'aime trop. Je suis désolée, chérie. Je suis très désolée. Oh non, tu n'as pas à être désolée. Je ne suis pas désolée de t'avoir aimée, ok? Écoute, nous y sommes ensemble. Ok? Ok. Neka, n'es-tu pas encore fatiguée? Hein? Tu n'en as pas encore assez? Est-ce qu'on peut supplier une personne pour qu'elle accepte de se faire aider? Dis-moi, franchement. Écoute-moi, je veux te dire. Écoute-moi. Si tu veux, tu peux acheter la résidence présidentielle pour m'offrir. Je ne l'accepterai toujours pas. Je ne le prendrai pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne sommes pas intéressés, moi et Arendi, à tes soi-disant présents ou cadeaux que tu veux nous offrir. Pourquoi c'est si difficile pour toi de le comprendre? Neka, écoute, je vais te faire comprendre une chose. Neka, je vais travailler de mes propres mains. Oui, je vais bosser dur. À vrai dire, ce n'est pas bien quand dans une famille, tout le monde ne dépend que d'une seule personne. Ce n'est pas bien quand c'est tout le monde qui te suit derrière. C'est normal que deux, trois personnes aussi aient de l'argent lui qu'on ne dépende que de toi. Le mieux serait que tout le monde soit équilibré sur le plan social là où il est. Et c'est bien. Oui, oui, je voulais juste te remercier. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ta gentillesse. Nous n'avons pas besoin de ta maison, des chambres luxueuses ou tous ces meubles. S'il te plaît, moi et Arenze, nous sommes parfaitement bien. Nous sommes très en forme. Que Dieu te bénisse. De la foutaise. Elle ne se lasse pas. Très étrange. Yeah. Des racontards. N'importe quoi. Fais un choix, Nikki. Et offre le sang à la grande déesse de la fortune. Mais Soma. Mais Soma, Neka, tu sais ce que tu dois faire. Très bien. Jésus, tu es mon sauveur, je sais que tu es mort pour moi. Ah.
dans ces temps difficiles. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Hein, bébé, dis-moi. Bébé, tu as mal, hein? Désolé, chérie, désolé. Bébé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, dis-moi, hein? De quelle bêtise parles-tu? Non, qu'est-ce que je vais m'expliquer maintenant? Où est ma sœur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu veux dire que tu as laissé ma sœur chez un soi-disant médecin? Quel soi-disant médecin? Écoute-moi, messieurs. Si quelque chose, je veux dire, si quelque chose arrive à ma sœur, tu n'auras pas d'histoire à raconter. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis fatiguée. Ce vaurien de soi-disant mari ne m'a rien dit d'important. Hey! C'est quel genre d'homme qui m'est sûrement épousé? Je ne suis pas prête de perdre un autre enfant. Non. Je vais mourir si quelque chose arrive à celle-là. Non, calme-toi. Calme-toi, maman, s'il te plaît. Mets-toi ici. Hey! Calme-toi. Je vais mourir, Tu dois te calmer. On ne peut pas continuer ainsi, je t'en prie. On ne sait pas c'est quoi le problème. On ne peut pas vite conclure, s'il te plaît. Je ne peux pas être en vie et enterrer mes enfants. Non! Hey! Dieu, je t'en prie, pour l'amour du ciel, je t'en prie, sauve ma fille, aide ma fille, qu'elle ne meure pas. Ne va arriver, calme-toi. Ok? C'est toujours la même histoire. Hein? Et pitié, amène-moi chez elle, j'ai besoin de la voir. Maman, c'est pas une bonne idée, on ne peut pas la voir maintenant, s'il te plaît. Regarde un peu, maman. C'est comme s'il va pleuvoir et il s'est fait déjà tard aussi. Écoute, je te promets que demain matin, je vais t'emmener là-bas, s'il te plaît. Ah! On ne peut pas aller maintenant. Si on partait maintenant, qu'est-ce que ça fait? Hein? Maman, Oka est très loin d'ici. Je ne saurais pas. Si c'est bon, je connaissais, je pouvais partir seule. Okay. Partons, il y a encore du temps. Partons, même si elle est sur le point de mourir. Laisse-moi aller la voir, même pour une dernière fois. Okay. Je dois causer avec elle. Hein? Elle ne va pas mourir, elle ne va pas mourir. Amène-nous. Attends, moi, j'arrive. Je prends mes contacts. Merci. Ah, mon Dieu. Je t'en prie. Pitié, passez-la. Chimo, mes sommes, ma fille. Mes sommes. Mes sommes. Il a peur. Mon Dieu. Allô? Je t'ai dit que je suis en route. Penses-tu que je suis en train de blaguer? J'arrive. Où est ma sœur? Je suis là. Meso. Ogili. Quoi? Elle est en ligne. Meso, Machuko. Ma fille. Oui. Et oui, maman, elle va très bien. Il n'y a rien de grave du tout. Ah. Écoutez, il fallait donc nous dire que tout allait très bien. Ah. Au lieu de nous mettre dans ce genre de stress. Ah. Et si j'étais sortie et que j'avais connu un accident? Je suis désolée, mais tu ne m'aurais même pas laissé parler. Tu n'as pas cessé de crier, alors je... Ok, je suis alors désolée. J'avais juste sœur pour ma sœur, voilà pourquoi j'étais dans cet état, je suis désolée. Vous n'avez rien à vous inquiéter. Je vais bien. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé, mais le plus important est que je vais bien. Non. Ton mari n'allait pas se donner la peine de nous appeler si seulement le problème n'était pas sérieux. J'ai juste... fais une fausse couche. Qu'est-ce que c'est? Qu'a-t-elle dit? T'ai-je entendu dire fausse couche? Mais Soma, étais-tu enceinte? Depuis quand? Nous l'avons juste découvert à l'hôpital. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Au fait, j'étais à la cuisine en train de plucher les légumes. J'ai juste senti une forte douleur et la minute qui suivait, j'ai commencé à me tordre de douleur au niveau de mon estomac. C'était juste ça. Si ce n'était pas l'intervention de mon mari,
qui était venu vite me secourir. Je ne sais pas ce que je serais devenue maintenant. Non! Rien ne va arriver au bébé et à toi. Mon petit Amen. Enfant, rien ne va lui arriver au nom de Jésus. Amen. Hey. Merci beaucoup. Oh. D'accord, merci. Mais... Allô? Allô? C'est fini? Ils ont raccroché? Oui, maman. Ils ont raccroché. Bébé. Mm-hmm. Achète-moi une crème glacée. Crème quoi? La glace. Bébé, on t'a recommandé de la soupe. J'en ai pas envie. Hey, les femmes enceintes. Ah. Wow! Regardez celle qui est ici. Tu sais, Ezune. Tu sais, j'ai été surprise lorsqu'on m'a dit que tu étais ici et que tu voulais me voir. Alors, que puis-je faire pour toi? Tu as dévoilé ta vraie identité, Sigi. As-tu déjà changé de nom jusqu'ici? Tu habites maintenant ces châteaux, toute seule. Tu n'es jamais mariée. Tu cours derrière les jeunes gens ça et là pour les sucer et profiter de leur vie. C'est cette même face que tu avais derrière celle de l'ange que tu manifestais avant. Ezune, que puis-je faire pour toi? Où est mon frère? Tu ne peux pas l'ignorer puisque tu le sais bien. Il n'est plus revenu depuis la dernière fois qu'elle t'a visité. Tu lui as forcé la main. Et c'est là qu'il commença à venir cohabiter avec toi de temps en temps. Il était venu chez toi aussi au moins. Après toutes ces années, et tu veux faire semblant comme si tu ne sais pas de quoi il s'agit? Parce que je ne sais rien. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Oui, votre frère vous avait refusé dans sa vie, mais il n'était pas venu chez moi. Je ne pouvais pas le permettre. Je lui avais dit que je ne voulais pas être un obstacle entre lui et sa famille. Mensonge, c'est pas vrai. Je ne mens pas, Né. Tu es libre d'accepter ou pas. Tu dois connaître là où il est. Dis-le-moi, je vais entendre la vérité, Isioma. Je t'ai dit la vérité. T'es libre de l'accepter ou pas. Je n'ai aucune idée de là où peut être ton frère. Dis-moi un peu, Thierry. Dis-moi parce que je ne sais pas comment est-ce que je vais résoudre ces problèmes. Ozioma, tu dois te calmer. Ne me demande pas de me calmer. Je suis sur le point d'être découverte. Thierry. Tu devais écouter comment cette fille me parlait. Elle me parlait comme si elle savait que son frère était au-dessus. Attendez une minute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît à propos? Non. Hormis la grande prêtresse, personne d'autre ne le sait. Ma chérie, ta situation est passable. En quoi? La mienne est pire. Mais Soma a refusé de mourir. J'ai tout essayé, mais tous mes sacrifices sont partis en vain. Es-tu sûr que tu avais tout respecté? Tu n'as aucune idée. J'avais tout fait, ma chérie. Je l'avais invoquée. Je fais ceci. J'ai même envoyé un accident mortel. Mais elle ne veut pas du tout partir pour me laisser vivre en paix. Ce qui est pire, c'est que mon délai est déjà passé. Je ne sais même pas ce qui va m'arriver, mes chers. Es-tu sûr que ta soeur n'appartient pas à un loge plus fort que le nôtre? Ozioma, comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que j'ai peur, ne le vois-tu pas? Toi, tu n'as aucun problème, voilà pourquoi tu dis cela. Tu as déjà vengé l'homme qui voulait gâcher ta vie, hein, ma chérie? Ce n'est pas le même cas que moi. Moi, j'aime le mien. Je l'ai transformé en poupée.
Oh. Cletus? Cletus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le repas n'est pas encore prêt? Désolée, madame. D'ici là, le repas sera prêt. C'est quoi cette bêtise? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Cletus? Ma? Ces derniers temps, tu es trop distrait. Je n'aime pas ça. Oui, désolée, madame. Désolée. Et qu'en est-il de mes chiens? Les as-tu nourris? Pas encore, madame. Désolée, madame. Je les ferai immédiatement quand j'aurai terminé à la cuisine. Je vais les nourrir. Cletus? Ma? Ces derniers temps, tu es trop distrait et ça ne me plaît pas. Désolée, madame. Maintenant, va te rendre utile. Oui, madame. Dégage. Merci. Je dis pars. Oui, madame. Oui, madame. Quelle autre punition qui peut être pire que ça? Un homme très aimant, mais diabolique dans ses actes. Il m'avait abandonné sans réfléchir pour le bien-être de sa famille. Maintenant, il est mon servant. Hein? Nikki, tes excuses n'arrangent pas les choses. Tu avais eu une attente avec la grande déesse de la fortune. Je sais, ma prêtresse. Mais ce que vous me demandez est très énorme. Vous me demandez de tuer ma propre mère. C'est ma mère. Alors qu'un autre prenne sa place. Je veux que Messoma soit le prochain sacrifice. Jamais! Cela n'est pas possible. Peu importe ce qui est dans cette fille, même les esprits n'arrivent pas à la voir. Donc, laisse-la. Trouve un autre membre valable de ta famille. Qui que je peux encore sacrifier? La seule personne peut être mon neveu, hormis ma mère. Ma mère ne saura plus vivre s'il voit la mort de son petit-fils. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. D'après tout, elle mourra. Ta mère va mourir. Ton petit-neveu mourra. Ta petite sœur mourra. Et tous vont mourir pour ta survie. Allez, Nikki. C'est ça la règle. Amène-le. Et où? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu devant la porte? Que fais-tu ici à 7h de la nuit? Que fais-tu? Ah. Il avait fait une fièvre, c'est pour ça que je suis venue voir s'il va bien. Pourquoi ne m'as-tu pas informé? Qu'est-ce que tu vas faire? Même si cette température est de 9 degrés, qu'est-ce que tu peux? Je disais, laisse-moi me débrouiller avec ça. Je sais comment m'y prendre. C'est bon, maman. Laisse-moi un peu voir. Non, non, non. Il dort. Tu sais que c'est très difficile de le faire dormir. Et si tu le réveilles pendant qu'il s'endort, il va se mettre à pleurer. T'inquiète, le matin, tu viendras le voir. D'accord, je m'en vais alors. Ok. Oh, bonne nuit. Bye.
Ma mère venait de sortir d'ici. Qui a fermé cette chambre? Vous allez où? Vous allez où? Vous allez où, vous deux là? Hein? Où allez-vous? Vous pensez que vous allez où? Jeune homme, si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, tu ferais mieux de dégager. Allez, dégage! Toi, quand tu ne sais pas respecter les grandes personnes. Toi, attends, je vais me charger de toi. Tu ne dois pas faire cela. Ce n'est pas ta maison. Très bien, ce n'est pas ta maison. Non, non, s'il te plaît, il faut qu'on se charge de cette petite fille. Elle a blagué avec ma famille. Elle joue avec le feu. Allons-y. S'il te plaît, laisse le prêtre gérer ça. Je ne veux pas de ça maintenant. Arrête! Elle doit être ici, venez. Où est cette fille? Où est cette gasse? Papa, lentement. Où est papa. Cette fille? Ah, oh, Okoye, la voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis Okoye, le prêtre de Chukokika Agyama. J'ai un mandat de notre roi, Izodom, de découvrir ce qui se passe dans cette maison. Tu dois être vraiment stupide. Quoi? Dégagez d'ici avant que je n'appelle la police. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu devrais te dénoncer avant qu'il ne soit trop tard. Je sais comment finir avec vous. Salut, j'appelle à partir de chez moi. J'ai besoin de vos gardes urgemment. J'ai une situation qui demande votre intervention. Merci. Quel que soit ce qui est caché, ce sera révélé. Mon petit-fils, tu adores le foot, n'est-ce pas? Prends. Hey, mon Dieu! Hey! Regardez-le. Voyez-moi ces gardiens. Doucement. Oui, comme ça. Ouh, hey. Hey, prends. Prends les jus doucement, hein. Hey. Hein, c'est ça. Na. Hein? Regarde la télé. Hein? J'arrive. Attends-moi. Hey. Tu es vraiment un dérangeur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est difficile. Mets ça dans ta tête. Écoute-moi. Ça sera très facile et doux. Ok? Sois un bon garçon. Tu es une viande qui ne veut pas du tout que je la mange. Regardez-moi celui-ci, espèce d'un monstre. Okudene, tu n'es qu'un bâtard.
Pourquoi? Pourquoi je suis chaud? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que je porte comme ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Cletus, pourquoi agis-tu comme un idiot? Je t'ai demandé une tasse de café et te voilà en train de faire du je ne sais quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Jerry, c'est toi? Vient-il d'appeler mon nom? Mais... je t'avais dit que je n'ai rien à faire avec toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Cletus? C'est bien moi, oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé, putain? Chérie? Chérie? Ce qui est là? Cletus! Veux-tu entrer là-bas et arrêter de te comporter comme un fou parce que tu ne l'es pas? Va dans la chambre! As-tu perdu la tête? C'est moi qui devais te poser cette question. Oui, c'est moi qui devais te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Chérie, veux-tu détruire ma famille? Veux-tu détruire ma famille? Oh, oh, mais où est ma famille? Tu es la seule personne que je vois dans cette maison. Où est ma femme? Et où sont mes enfants? Oh, ma... J'ai... Oh, ma femme! Oh, mon Dieu! Hey! Cletus! Hey! Je suis fini. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dois... Ah! Mon pied! J'ai mal! Cletus, je t'en prie. Qu'est-ce qui est arrivé à ma famille? Écoute, crache les morceaux maintenant. Je sais là où se trouve ta famille. Ils sont en vie. Je peux te conduire là-bas. Allez, je sais, ils sont en vie. Oui, je dis la vérité. Aide-moi, je ne saurais marcher. J'ai mal aux pieds. Aide-moi. Ah. Mais c'est quoi? C'est quoi cet endroit? S'il vous plaît! Ah! 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Je vais confesser. Ne me faites pas du mal. Je vous en prie, pardon. Je vais confesser, s'il vous plaît. Papa, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ne me faites pas du mal. Je vais confesser, pardon. Non, je vous en prie. Non, s'il vous plaît. Doucement, s'il vous plaît. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Mais que quelqu'un me dise, qu'est-ce qui se passe? Je vais confesser. Oui. Oh, coup d'un nez.
ou des nains. Un très grand fantôme. C'est ce que tu es. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi es-tu resté là-bas? Odin. Odin. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Odin. Salut. Un grand fantôme. Salut. Mon petit-fils. C'est un vautour. Oui, Odin. C'est un vautour. Hey. Tu te trompes. Lui, c'est mon petit-fils. C'est pas un vautour. Maman, c'est un vautour. Oh. Je te jure. C'est toi qui sais. Ce petit truc qui est ici, c'est un vautour, maman. Maman, c'est un vautour. C'est mon petit-fils. Non. Maman, je dis la vérité. Non. Il a refusé que je mange sa viande, maman. Manger? Mais comment ça? C'est un vautour. Maman, Adenchi, Neka, tu vas bien? Ah! Sinon, Dene, la plus grande de toutes. Je suis là. Je te salue. Bienvenue. Maman, tu es témoin. Tu vois comment elle veut commencer, hein? Je n'ai pas de force. La ferme! C'est à cause de toi. Je dis bien, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que je fais? C'est toi qui as causé tout ceci. Tu devais juste me laisser ta tête. Je voulais prendre ta tête, mais non. Tu ne voulais pas du tout. Tu étais tellement forte que moi. Regarde la grande sœur Ichoma et Ujua, ils étaient juste... elles étaient très, 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 très faciles à voir. Hein? J'avais juste injecté un liquide dans leur ventre. C'est fini. Elles étaient tombées. Ya, 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 ya. Elles étaient mortes. Mais... je n'arrivais pas à t'avoir. Tu étais tellement très forte que je n'arrivais pas à t'avoir. Elle voulait aussi avoir ma mère. Mais j'avais dit non. J'avais dit pourquoi ne pas d'abord la nourrir. La nourrir pour la préparer à bien la manger. Tu sais, pour le moment, j'allais encore... revenir sur toi, mais je ne savais pas parce que c'était toujours difficile pour moi de le faire. Tu ne m'avais pas permis. Alors j'avais décidé de prendre ce petit vautour. Mais je n'ai pas compris. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a rendu aussi fort que je n'ai même pas pu la voir facilement. Elle a même mis dans la mort de mes sœurs. C'est donc toi qui as écourté la vie de mes sœurs. Dieu te punira. Dieu te punira. Je te punira, c'est sûr. Et il a dit que je dois aller au marché. Bon, je vais au marché. Je m'en vais au marché. Bye, oh. Reste bien. Bye, moi, je pars au marché, hein. Bye. Maman. 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 S'il te plaît. Wanika. Maman, maman, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Tu es la seule que j'ai, maman. Maman, maman, s'il te plaît, réveille-toi. Tu es la seule unique qui me reste, maman, maman.